Et oui, c'est demain que commence la Coupe d'Europe en France. Et on va être supporter de notre équipe, bien sûr, l'équipe de France. Et pour ce faire, et ben, c'est très vite fait. On peut faire des choses très simples. L'important, c'est d'avoir les trois couleurs. Donc si tu fais sur du maillot blanc, tu peux faire avec des stylos rouge et bleu. Ou alors avec de la peinture. Si tu as du bleu, tu peux faire. Bon, stylo blanc, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, j'opterai pour la peinture sur le maillot, mais le t-shirt. C'est vrai, hyper simple. Tu prends le t-shirt. Tu le coupes un petit peu à la taille que tu veux. Comme ça, c'est mieux. Parce qu'il faut le faire un petit peu genre style quand même, hein. Allez, c'est simple. On prend quand même quelque chose en dessous pour pas tâcher l'autre côté. Et puis bah, après, on laisse libre cours à notre imagination pour porter les couleurs de la France, bien sûr, en se rappelant que on est bleu, blanc, rouge. En fait, il faut laisser libre cours à son imagination. Et voilà, on a un maillot d'équipe de France, vite fait, bien fait. Et si tu veux être un peu plus discret, tu peux toujours prendre un petit bout de coton. Tu prends le truc de ton bras. On coupe. On noue. Ah, comme quoi, il faut vraiment enlever. Voilà, on va maintenant passer au t-shirt à peindre. Mais là déjà, vous avez quand même les idées de ce qu'on peut faire pour notre équipe, pour être supporter de l'équipe de France. Moi, je trouve ça assez sympa. Bon, l'idée, c'est juste de les garder pour le moment de la coupe. Et puis c'est tout. Allez, tous pour la France.